Bonjour, je vous présente les jeux de Karine. Karine va avoir 9 mois. Après le repas, chacun s'occupe d'elle. Grand-mère, là, sur les genoux, assise contre sa poitrine. Alors maman, en face d'elle, chante et mime les marionnettes. Ainsi font, font, font. Ainsi font les marionnettes. 3 petits tours et puis s'en vont. Ou bien, grand-mère, répète le récit avec lequel, petit enfant de France, vous avez tous été élevé. C'est demain, dimanche, la fête à ma tante qui balaye ses planches avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, l'épluche et la mange, sans en donner à ses petits enfants, oh la gourmande. Mais à son tour, papa prend Karine, et d'abord Karine tripote de ses menottes. La bruyante chaîne de montre qu'il prend sur le gilet. Ensuite, il tire dessus, comme pour sortir la montre de la poche. Mais la montre ne vient pas. Alors Karine regarde papa, elle tire de nouveau et sans plus de succès. Elle regarde encore, cette fois. Papa sort la montre et l'applique contre l'oreille. Du coup, Karine s'immobilise et écoute le tic-tac. Sonore et monotone comme une chanson de cigale. Puis, papa croise les jambes et assit Karine à cheval sur ses genoux. Il chante au trot, sur mon cheval, il trotte, au galop, alors on saute de plus en plus haut, de plus en plus vite. Mais Karine n'a pas peur. Elle sait que papa la tient. Cela durerait des heures. Alors on a ici les mots difficiles qu'il faut chercher. Les marionnettes, succès, elle s'immobilise, c'est le verbe s'immobiliser. Il assis, c'est le verbe asseoir. Il assit Karine, c'est le verbe asseoir. Le galop. Je rappelle encore une fois les marionnettes, succès, elle s'immobilise, il assit Karine, le galop. Les mots expliqués par exemple mime, mimer. C'est-à-dire faire des gestes pour imiter. Tripote de ses menottes, remis avec ses petites mains. Tripoter, ça veut dire remis avec ses petites mains. S'immobilise ou s'immobiliser devient immobile. Ne bouge plus. Phrase à reproduire de mémoire. Papa sort la montre et l'applique contre l'oreille de Karine. Répète avec moi. Papa sort la montre. Il applique contre l'oreille de Karine. Copier et compléter. Maman chante et plus. Karine tripote de ses plats. Chaîne de montre. Elle écoute le. Puis papa, Karine, à cheval sur ses. Répondez aux questions. Quel âge a Karine? Pourquoi tire-t-elle sur la chaîne de montre? Qui sort la montre? Quelles sont les personnes qui se sont occupées de Karine? Quel âge a Karine? Pourquoi tire-t-elle sur la chaîne de montre? Qui sort la montre? Quelles sont les personnes qui se sont occupées de Karine?